Bonjour et bienvenue dans l'épisode dédié à Factorio Space Age. On va reprendre cet arrêté la dernière fois et vous, comme vous pouvez le voir, on commence à arriver un peu au bout de notre petit setup de fer avec lequel on avait commencé. Ce qui n'est pas très grave, ça va nous permettre de transitionner tranquillou sur la suite. On devrait être plutôt bien. Hop, ça on va le démonter. Lui, on va lui mettre un petit stock là pour qu'il puisse continuer à tourner, mais ça va pas en avoir pour très très longtemps. Et on va pouvoir commencer à réfléchir à la suite. Donc, comment on va s'y prendre? Eh bien, on va aller jusqu'au bout de nos stacks là-bas de fonte, qui seront beaucoup plus grands. L'idée, c'est qu'on va les dimensionner pour avoir de quoi saturer la ligne en entier. Je vais chercher les petits circuits aussi. Donc, on va faire vite fait des petits maths pour savoir combien on a besoin de fours d'affilée pour pouvoir. Ah mince, bah lui, il était arrêté aussi. Triste. Alors que je venais de dire que c'était le truc que je voulais pas que ça arrête. Il y avait un petit stock, donc c'était cool. Donc, l'idée de ce four, c'est que ça tourne à une production de 1. Alors d'ailleurs, je sais pas si on peut. Comment on fait pour avoir. Est-ce qu'on a plus d'infos? Il nous avait promis plein d'infos en plus. Ah, là, c'est pas flagrant. Tac, 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 tac. Ok, donc on a 3,2 secondes par plaque de fer pour fabriquer. Donc il va nous falloir une quarantaine de fours, un truc comme ça, à la louche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis à 14, là c'est ça. 15. On peut utiliser ces outils-là pour mesurer un peu, c'est pratique. D'ailleurs, on n'a jamais automatisé le fait de miner de la pierre aussi. Tiens, on va faire ça. Parce que c'est vrai qu'on va commencer à avoir besoin d'un peu plus de four là, et donc autant que ça soit un peu robuste. Pendant ce temps-là, le radar a continué à tourner, c'est bon, ça scanne, on n'a rien qui se rapproche, enfin qui est, il n'y a aucune base desquelles notre nuage de production de pollution se rapproche, surtout lui qui s'approche des bébêtes et pas l'inverse. Hop, on va aller se mettre une petite fosse, pas besoin de beaucoup plus. Tac, et après on automatisera par contre les la production de murs, donc là il faudra un peu plus de pierre, mais bon, pour l'instant c'est assez anecdotique le besoin qu'on a, donc on va pas trop s'embêter plus que ça. Bah d'ailleurs, oui, non, on va pas mettre de four, je suis bête, on va juste mettre un coffre pour l'instant. Dans un premier temps, ça va surtout être. On va faire les deux, allez, soyons fous. Tac, tac, voilà, il doit prendre du charbon, vas-y, éclate-toi. Voilà. Ici, on peut toujours remettre un petit peu plus de prod de charbon, ça ne mange pas de pain. Voilà. Niveau électricité, on est toujours large, donc ça c'est cool. On va donc pouvoir en retourner réfléchir à nos histoires. Hop, là aussi, ça a été tout démonté, il n'y a plus rien. Là, ça, on va laisser ça se vider gentiment, mais ça devrait partir assez vite. Toi, t'es déjà fini. Bah tiens, reprends une petite dose. Voilà. On peut regarder de toute façon, hop, combien on a déjà des blueprints d'avant de toute faite, donc on peut regarder vite fait là, paf, paf, une stack, c'est combien? Donc c'est 48, okay, donc c'est 24 par côté. Très bien, bon, faisons ça. Donc on a dit que là on en avait une quinzaine, hein, c'est ça? Yes. Si je suis bon ou pas, 22, donc il manque encore un petit peu. Voilà, c'est assez long, on va pas forcément tout construire. Bon, d'ailleurs, on va pas les construire du tout. On va juste les mettre comme ça en mode. C'est juste pour savoir jusqu'où on va. Parce que là, on va pouvoir sortir notre nos plaques sans se trop soucier que par la suite, on aura besoin de rajouter des fours. Là, on sera déjà pas mal. Hop, et on va pouvoir se faire comme ça le début d'un petit bus. Hop, on va utiliser ça pour marquer le coup. D'où est-ce qu'on va? Tac, tac, et tac. Voilà. Donc bah, à partir de là, on va pouvoir commencer gentiment à bosser sur la suite. Et on va commencer par automatiser les circuits électroniques. Parce que c'est pareil, ça va être un truc assez énervé à faire au début. Donc autant commencer par ça. Pareil, pour les circuits électroniques, on a un ratio un peu pété. Il faut 3 câbles de cuivre. Ça se fait en 1,2 secondes. Et ça.
Une plaque de cuivre pour deux câbles. Ok, hop. Donc ouais, il y a un ratio de 3 pour 2, en gros. Donc en gros, on a besoin de 3 machines à câbles pour 2 machines de circuit. Hop. Pareil, c'est des blueprints assez classiques, hein. J'ai fait un peu de tête en fait. Je fais semblant que je calcule, mais en fait pas du tout. Hop. Voilà. Bim. Et là, on va pouvoir commencer à aller chercher les choses qui nous intéressent. Ici. Par déjà les poteaux, comme ça ils seront prêts pour la suite. On s'embêtera pas. Hop, voilà. Toi, voilà, rapproche-toi, ça sera beaucoup mieux. Et du coup, maintenant, bah, on va pouvoir aller chercher les ressources dont on a besoin ici. Tac, comme ceci. Et ça, il va falloir amener du fer et sortir les circuits verts. Donc, on va faire ça en deux lignes. Hop. Vite à démonter les choses. Donc on va amener le fer comme ceci. Tac. Et ensuite on va faire passer les circuits verts par là. Ici on peut gentiment passer en souterrain et comme ça on a l'équivalent d'un mini bus de distribution qui va nous servir pour la suite. Hop. Ça fait un peu de bras. Voilà, on met ça comme ça. On met ça comme ça. On met du câble partout comme des gros bourrins. Et voilà, comme ça on va commencer à produire nos circuits verts et ça sera cool. Ça d'ailleurs pour faire un peu plus propre, on va le décaler là. C'est pas du tout obligatoire, c'est juste moi, je suis un peu maniaque, j'aime bien quand les choses sont carrées. Et voilà, comme ça on va avoir des circuits verts des deux côtés. Et pour le début, ça sera entièrement suffisant d'avoir une stack comme ça de circuits verts. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'embêter beaucoup plus que ça. Très vite, on va vouloir automatiser quoi ensuite? On va vouloir automatiser la production de tout ce qui est sol, donc convoyeur, souterrain et répartiteur. Je savais que je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Donc ça, une façon très simple de s'y prendre, ça va être de mettre, parce que vous voyez que terminé l'acier. Très bien. Peut-être aller chercher une armure un peu plus efficace dès le début, comme ça, si jamais on a des problèmes. D'ailleurs. On est où le scan? Ça scanne pas très vite, hein. Je devrais peut-être mettre un peu plus de radar. Donc ce que je disais, c'est que pour fabriquer et les souterrains et les répartiteurs, on a besoin de convoyeurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le convoyeur au centre. Et on va pouvoir aller chercher comme ça un peu tout ce dont on a besoin. Il faut juste qu'on aligne pour faire en sorte que lui puisse aller chercher si besoin. Il en faut un qui aille chercher les circuits verts. Donc le répartiteur, c'est lui qui a besoin de circuits verts. L'autre, il a besoin de rien. Part de fer en plus. Tac. Ah oui, lui il a besoin de. Il a besoin d'engrenages par contre. Les engrenages, on va peut-être les faire, je suis en train de me dire. Ouais, parce que c'est un peu plus dense que les plaques de fer, donc c'est intéressant d'avoir de faire une ligne d'engrenage par exemple. C'est pas perdu de toute façon. Hop, donc en fait ça on le décalera. Il me faut du fer. Hop. Voilà, donc par exemple, on va se faire ça. Bon, on va le caler là de toute façon. Tac, 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 donc pas du tout ici. Hop, 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 voilà, comme ça on aura nos engrenages aussi. D'ailleurs, c'est pas du tout bon, le bon endroit pour ça. Mais voilà. Et j'ai tout cassé. Hop. Même délire, vous me connaissez. On va faire un truc un peu propre aussi ici. Ça sera bien content. Voilà. On va optimiser ça. Et donc du coup, bah, ça, on va pouvoir le mettre, mais il faut juste que... Alors ça a besoin de trucs mais pas ça. Donc on va pouvoir remettre exactement la même chose. Ça sert un peu à rien ce que je fais. Trop l'habitude de la suite. Quelque chose comme là. Normalement on devrait être capable d'aller chercher un peu tout ce qu'on veut comme ça. Eh ben non du coup ça va pas marcher ce que je suis en train de faire. C'est bête. Hop, je garde en tête qu'il y a quand même un truc en plus.
Donc, bah, ce qu'on va faire, c'est tout simplement refaire un passage. On va envoyer les engrenages comme ceci pour qu'ils puissent aller se servir. On va le caler du coup là-dessus. Voilà. Ici, on pourra faire du transfert dans les deux cas et à chaque fois, on va se mettre un petit coffre en sortie. Comme ça, on sera content et on va pouvoir commencer à faire du stock. Donc là, ça a besoin de fer et d'engrenage. Là, ça a besoin aussi de fer, donc il va falloir pas prendre trop de longueur. Voilà. Ça va avoir besoin de ça et de ça. Ça a juste besoin de fer en plus. Bam. Celui-là, il a besoin d'aller chercher par contre des circuits verts tout là-haut. Et là, on pourrait se permettre de pas refaire un split comme ça, parce que ça commence à faire un peu beaucoup. Hop, donc on va trichouiller. On va mettre un bras là. Comme ça se passera très bien. Voilà, donc là on a notre petit délire pour faire tous les trucs de sol et tout. Ça pourra tourner. Après, on va commencer à faire les quelques bâtiments, les foreuses, automatiser les foreuses, les 2-3 choses comme ça. Pour pas avoir à les crafter tout le temps, sinon c'est chiant. Après, on est plutôt pas mal. Voilà, on commence à faire nos stocks. On va réduire un petit peu les quantités parce qu'il faut pas déconner non plus. Hop, là par contre on peut se permettre d'en mettre plus. Et on va pouvoir commencer à vraiment démonter le reste de la base. Il va pas y avoir trop de problèmes. Ok, donc on a vu qu'on a notre petite patch d'uranium là-bas au nord qui est totalement découvert, donc c'est cool. On sait où on va. Quoi ce truc? Bizarre ce bouton, je comprends pas très bien. Hop, allez, on va mettre un petit peu de. Pour que ça tourne quand même. Celui-là est complètement arrêté par contre. Voilà, on commence à avoir des bons petits stocks. Oui, non, là j'avais dit que ça servait à rien. Hop. C'est terminé les choses comme ça. On va chercher un peu de pierre et de briques comme ça. D'ailleurs, hop, ça sert à rien d'en faire trop non plus. Là, on va directement faire les murs ici, comme ça on sera équipé, on aura tout ce qu'il nous faut. Hop, les murs ça va nous servir à nous protéger des bêtes, hein. Ça permet d'encaisser un peu les chocs et de qu'ils puissent ne pas, ils puissent pas attaquer directement la base, qu'ils soient un peu obligés de faire le tour avant de pouvoir taper sur les tourelles. Et ça, c'est cool. Si on peut les retarder un peu, faisons-le. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir automatiser? On va vouloir automatiser les bras, parce que les bras, c'est. On va aussi en avoir besoin de beaucoup, parce que je peux passer, merci. Hop. On va vouloir automatiser les usines, comme ça ce sera fait. On va fausser un peu de place aussi pour prévoir les usines niveau 2. D'ailleurs, ça se recherche. Ah, il faut de la science verte déjà pour les usines niveau 2. Ok, très bien. On va prévoir ça dans un coin quand même. Et après, on fera la science, comme ça, on pourra rechercher plus vite. Tant qu'on aura des ressources, ça permettra de tourner un peu plus efficacement. Donc on va se faire un truc à bras, un truc à usine comme ça. En parlant de ça, je manque d'usine. Hop, donc les bras ici, il n'y a rien de foufou, hein. Les usines normalement c'est tout pareil, voilà. Il y a tout à porter. Il y a besoin de fer, donc ça c'est un peu relou. On va le mettre de l'autre côté, ce sera plus simple je pense. Tel que j'ai fait mon truc, en fait, c'était pas mal, hein, parce que mon cuivre est un peu. Et m'embête un peu. Il y a très peu de choses qui ont besoin de cuivre, en fait. Ce qu'on va faire, on va réorganiser un petit peu tout ça. Voilà, on va mettre le cuivre plutôt là-bas. Et là, on va mettre plutôt les engrenages, comme ça sera beaucoup plus simple. Hop, je peux faire ça. Du coup, là, j'ai même plus besoin de mettre un truc particulier. Je peux juste mettre un bras rouge
Et ça fera l'affaire. Tiens, d'ailleurs, il faut prévoir aussi de quoi faire le bras rouge, c'est vrai. Parlons de ça. Hop. Voilà. Faut juste que j'arrive à passer le cuivre ici. C'est un peu court. Tout à fait honnête. C'est pas grave, on va faire ça sale. Hop. Ce n'est qu'une base de début, de toute façon. Pas très grave si ça ressemble pas à grand chose. Ok. Du coup. On va déjà faire les deux usines comme ça sera fait. Enfin, les usines à usine du coup. Hop. Voilà. Et ensuite on pourra faire les bras. Et les bras, pour le coup, il y en aura plusieurs. Donc on pourra en faire quelques-unes d'affilée. Ok, donc à chaque fois, on va avoir besoin d'aller chercher au max des circuits verts. Les alimenter comme ça les circuits verts. Hop. Voilà. Bim bim bim. Ça je sais pas s'il faudra autre chose d'ailleurs. On verra un peu au fur et à mesure. Et donc il nous faut des engrenages. Et du fer. Et normalement ça devrait pouvoir tourner. Voilà. C'est parti pour l'automatisation à grande échelle. Et du coup, là, on a besoin de. Ouais, après, on va avoir besoin un peu de tout. Comme ça, donc. Tant pis, on va dire qu'on va pas automatiser les rouges. On n'aura pas besoin de tant que ça des bras rouges, normalement. On va faire comme si c'était pas très grave. On mettra directement les bleus ici, en fait. Hop. Comme ça, voilà. Ils ont pas besoin de grand-chose de plus. Ouais, c'est plaque de fer et circuit vert. Pourquoi j'essaie de crafter ça? Moi je suis bête. Il y a tout ce qu'il faut ici maintenant. Hop! Voilà. C'est quand même beaucoup plus efficace quand on a accès à tout. On aura besoin de tant que ça. Hop. Voilà, bah là par la science, on a à peu près tout automatisé, hein, je pense. On est pas mal. Non, on va mettre les foreuses aussi quand même. C'est pareil, ça risque de prendre un peu de plan. Un peu de temps. Pareil, rien de très foufou. Donc, hop. Pas organiser ça différemment. Ah maintenant ça y est, ça montre quel point ça permet ou pas d'accéder au truc, c'est pas mal. Ah non, l'envers c'était bon en fait. J'ai rien dit. Hop, voilà, comme ça on peut mettre deux trucs pour les circuits verts ici. Donc ça c'est foreuse. Et alors une fois qu'on a ça, on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Automatiser les fours à pierre, mais bon ça c'est pas critique je pense. Au bout d'un moment, on va plus en avoir besoin de tant que ça. On passera à l'acier. Voilà. Donc, il nous faut fer et engrenage. Très bien. Tac, 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 tac. Et on n'a clairement pas assez de production de fer. Donc, maintenant, il va falloir augmenter la fonte. J'ai bien limité la taille de ce truc-là. C'est bon. Clairement, il nous faut beaucoup plus de fer que ça. Bah là, on va augmenter pareil ces trucs-là. Là, on va commencer à en mettre un tartine un peu partout. On aura beaucoup plus de production. Et une fois qu'on arrivera à consommer tout, bah, il faudra rajouter de la mine. Et ça va être aussi simple que ça. Hop. Que je commence par mettre les convoyeurs, ça m'évitera de déborder. Hop. Puis la précision que j'avais avant. Tac 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 et là il manque un bras. Hop, voilà, déjà ça. Ça va produire un peu plus de fer. Et de toute façon, il faudra qu'on construise tout ça pour réussir à saturer la ligne. Donc on a encore un peu de marge. Hein. Hop, tiens, d'ailleurs, on va
sais pas tirer ça jusqu'au bout. Hop, et après ce n'est qu'une question de mettre les bras. Enfin, je suis en train de mettre un peu trop de poteaux, mais bon, c'est pas très grave. On peut optimiser un petit peu, donc sachant qu'on est là, là on peut le décaler d'un cran. Voilà, c'est un peu plus, petit peu plus opti. Non, celui-là était très bien. C'est celui-là qui n'a plus rien à faire là. Et du coup, voilà, comme ça, on peut économiser un petit peu sur quelques poteaux. Je ne suis pas la face du monde, mais bon, toujours ça de prix. Voilà, et là on a un peu plus de production de fer du coup. C'est vrai que j'ai pas mis tout de lampe non plus. J'espère que YouTube va pas compresser tout ça comme un gros bourrin. Hop. On met à chaque fois en face du poteau, comme ça. Voilà. C'est magnifique. On y voit un peu clair en plus. Pas belle la vie. Bon, pour l'instant, de toute façon, on est quand même sur une production assez limitée. Hein. Faut pas non plus s'attendre à ce que cette base puisse produire énormément. Tiens donc. Ah, on produit toujours pas assez pour que lui arrive à avoir des bras. Bon, très bien. C'est pas grave, on va aller. Bon, de toute façon, on peut aller chercher encore un peu de fer en haut là-bas. Il y a de quoi faire. Encore des petits trucs qui tournent un peu. Ça dit, non, il tourne plus des masses là parce qu'il y a plus de charbon. Et remédier à ça aussi. Et c'est qu'on va, on va les faire terminer comme ça, on sera tranquille. On pourra les démonter gentiment après. Ça pareil, on n'a plus trop besoin. Allez, hop, c'est terminé. Tac. Par contre là, on peut en mettre. Voilà, ça tourne. Ah oui, le fer, c'est pas là qui va. C'est là. Et donc là, voilà, on commence à réussir à utiliser tout ce que produisent les mineurs. Il n'y a plus rien qui remonte et qui bloque la ligne. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir rajouter du mineur, du coup, pour pouvoir suivre les quantités dont on a besoin. Alors voilà, on est vraiment dans la partie de Factorio où ça commence un peu à s'automatiser, donc du coup ça va être, à part quand on construit des nouvelles choses, ça va être aussi une partie d'équilibrer l'offre et la demande. Hein. Plus on construit d'usines, plus ça va demander de ressources en entrée, du coup plus il va falloir les fournir en posant des mines, en posant plus de production et ce genre de choses. Hop, on peut se permettre d'en mettre un peu plus, donc profitons-en. Tac tac tac. Et après ben, on va devoir se faire une deuxième rangée parce que là on a fait le tour. De celle-là, on pourra pas mettre plus. Je vais chercher de la pierre, c'est ça que j'ai oublié. Hop, laissez-moi passer. Et là, on va commencer à arriver à une production assez sympathique. Ah, tiens, on voit des bébêtes. Bon, on va peut-être aller leur taper dessus très vite, comme ça, on perd pas de temps, on se mouille pas. Et là, ça nous permet... oui, j'ai pas mal de trucs sur moi. On va prendre un peu plus de munitions, comme ça on sera large. Voilà. Et on va aller faire la guerre. Ah, j'ai oublié un peu de convoyeur là-bas. Hop, voilà, mieux. Là déjà, ça devrait un peu plus tourner, un peu plus faire de stock. Et a priori, c'est bon, on ne consomme pas tout, donc tout va bien. Faire pour la forme, c'est juste ça. Voilà, histoire de dire. Là, ça veut dire que maintenant toutes les machines doivent tourner sans qu'il y ait trop de problèmes. Par contre, un truc n'était pas branché. Je pouvais attendre longtemps pour avoir mes fourreuses. Mais cool. Maintenant, c'est la production de d'engrenage qui ne va pas assez vite.
Hop, voilà. Je suis très mal pris. C'est juste que j'avais plus d'usine en fait. Ok, très bien. Ah, mais dégage de là, toi. Voilà. Donc, mage clic droit. Shift clic droit pour copier une recette. Et mage clic gauche pour coller la recette. Ça va plus vite quand on commence à me poser pas mal de choses d'affilée. C'est très pratique. Et ça va faire qu'empirer. Donc autant connaître les raccourcis. Permet de gagner du temps. Du coup, eh ben on va aller se débarrasser des petits embêteurs là-bas. Comme ça, on sera tranquille. On a du poisson, on a des mitrailleuses, on a un peu de mur. Bon, même si, normalement, vu les quantités de bébêtes, ça devrait le faire. Mais... ils sont... ouais, voilà, il y a qu'un nid, un crasher. C'est vraiment pas la fin du monde. Sur l'auto. Tourelle à côté, mais tu vas me lâcher toi. Voilà, hein, vous posez des tourelles, vous les laissez faire le taf, et généralement ça se passe très bien. Si jamais vous n'êtes pas confiant, déjà évitez de marcher dans la baffe comme moi, essayez de réparer avec des munitions, ça ne marche pas très bien. Vous pouvez toujours faire des petits tas de tourelles comme ça et avancer progressivement, comme ça vous pouvez toujours reculer vers les tourelles d'avant. Si vous n'êtes pas confiant, ça marche bien aussi. Hop. D'accord, il n'y a rien d'autre. Ah, tiens, on commence à en voir là-bas. Il y a l'air d'y avoir un peu plus de monde là-haut. On va peut-être attendre d'avoir l'armure lourde et les munitions pour aller chercher tout ça. D'ailleurs, ça va avoir besoin d'acier, oui. Donc il va falloir commencer à réfléchir à l'acier après. Mais bon, on fera tout ça dans le prochain épisode. On va pouvoir s'arrêter là pour celui-ci. On va remettre un peu plus de fer parce que ça galère un peu maintenant qu'on a remis les engrenages. Et après, on sera bon. On pourra passer à la suite. Donc la suite, ça va être automatiser mieux la science, faire de l'acier. Parce que c'est pareil, ça va commencer à manquer. C'est pas le bon sens du tout, ça. Voilà, et comme ça, on aura vraiment tout ce qu'il faut pour une production avancée. On n'aura plus d'excuses. Hop. Et bon, du coup, comme je disais, ouais, on fera ça dans le prochain épisode. Comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à demain pour la suite du programme. Salut, salut!